On a tabassé, arrêté les Congolais qui m'attendaient. C'est suite à ce qui s'est passé à Lubumbashi où je suis arrivé sans problème, et quelques instants après, la police, l'armée a commencé, les deux ont commencé à tirer comme si on était en guerre. Tout ça a fait suite aussi à ce qui s'est passé à Kalemie, dans la province de Tanganyika, où le gouverneur ou le vice-gouverneur a donné l'ordre ou des instructions précises aux jeunes gens pour déranger ma campagne. Ils ont tué. À Lubumbashi, ils ont tué. À Kalemie, ils ont tué partout. Et ils m'ont interdit d'aller ailleurs, d'aller par exemple à Kolwezi, continuer ma campagne, ou de retourner à Lubumbashi pour prendre mes effets et continuer ailleurs. Donc tout ça, ce qui s'est passé hier, a fait suite à ces plans montés contre ma campagne parce que veulent que je batte à plate couture son dauphin. Qu'est-ce qui vous a été dit hier? Ben, ce qui m'a été dit hier, c'est que le gouverneur de la ville de Kinshasa a pris une mesure interdisant toute manifestation de candidat président de la République, et il savait hier que j'étais le seul à revenir ici et avoir une manifestation. Pourquoi il ne l'a pas fait avant? Et pourquoi on ne l'a pas fait sur toute l'étendue du pays? Parce que ici, tout est calme. Quelles sont ces informations faisant croire que mes supporters allaient créer des incidents? Si eux sont là pour protéger la population, pour assurer, comment dire, la protection de la population et des manifestations sur les lieux publics. Quel est le problème? Le gouverneur devait faire son travail, et s'il y avait des incidents provoqués par des inciviques, et ces inciviques devaient être arrêtés, ils font tout, tout. Quand nous avons des manifestations ici, ils mettent des militaires partout, ils mettent l'armée de la police partout, pour, comment dire, assurer la sécurité des lieux. Mais pourquoi pour mon meeting à la place Saint-Thérèse de Djili, ils n'ont pas pu s'organiser pour assurer la sécurité? Est-ce que vous avez quand même l'intention de tenir un meeting d'ici vendredi? Ben, ici vendredi, à Kinshasa, maintenant je vais tenir un meeting commun parce que dans mon programme, aujourd'hui, je dois aller dans les Congo centrales. Et aujourd'hui et demain après-midi, après m'envoler pour le Lubumbashi, parce que je pense tenir encore un meeting à le Lubumbashi. Donc il n'y aura pas de meeting à Kinshasa. Écoutez, vous le constatez que ça devient très difficile que je puisse aujourd'hui avoir un meeting à Kinshasa. Est-ce qu'on peut couper ce coupez le téléphone téléphone, qui n'arrête pas voyez. de sonner, s'il vous plaît? Sortez avec ça, vous voyez ça, sortez avec ça, soyez un peu. Merci. On parle de plus en plus d'un report de cette élection. Est-ce que ce report vous a été confirmé et qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, nous avons eu des rumeurs, mais la coalition Lamuka a signé un communiqué hier soir, donc disant que non, on ne peut pas reporter les élections parce que M. Nanga a dit qu'il y aura élection le 23 décembre 2018, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Il a assuré toute la communauté nationale et toute la communauté internationale qu'il y aurait élection. Maintenant, nous apprenons qu'il entreprend des démarches auprès de cette communauté internationale. Cette communauté internationale que M. Nanga a dit n'avoir pas besoin. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de la communauté internationale, ni le soutien financier, ni le soutien logistique. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi il se tourne vers la communauté internationale pour demander son accord pour postposer les élections. Mais pourquoi cette situation? Pourquoi ce détournement de la situation? Donc, ils ont incendié sciemment le dépôt, l'entrepôt où il y avait les équipements pour trouver une excuse. Vous n'avez pas été consulté sur ce rapport, sur ce report. Hein. Il y avait des informations disant que M. Nanga, M. Corneille Nanga avait consulté les principaux candidats. Non.
Et M. Nanga a mis un cadre de concertation. Cadre de concertation CNI, candidat président de la République. On s'est réunis deux fois. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'était le 4 et le 9 novembre. Et on n'a jamais continué. Nous, un groupe de candidats président de la République, nous avons écrit il y a une dizaine de jours, nous avons écrit à M. Nanga, lui demandant d'organiser une réunion dans ces cadres-là, les cadres de concertation, pour qu'on puisse éclaircir le sport, notamment la question sur la machine à voter et la question sur le fichier électoral, donc les 10 millions d'effectifs. On a reçu une réponse disant que oui, maintenant vous voulez avoir une réunion, on aura une réunion. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de réunion. Alors, comment voulez-vous qu'une commission électorale nationale indépendante, qui a mis un cadre de concertation champillé, puisse avoir l'intention de postposer des élections et ne puisse pas contacter le parti prenante, ne puisse pas discuter avec le parti prenante. Or, tout doit se faire par consensus. Le conseil de sécurité était ici au Congo, à Kinshasa. Et ce conseil de sécurité a demandé à toutes les parties prenantes de trouver un consensus sur tous les points qui posaient problème. Les évêques de la SENCO ont demandé à toutes les parties prenantes de faire un effort, de se dépasser pour trouver un consensus. Nanga, M. Nanga, avec son arrogance, continue à défier tout le monde. Et aujourd'hui, on apprend qu'il y a des réunions qui sont organisées entre certains membres de la communauté internationale et M. Kabila. Qu'est-ce que, et pour les réponses des élections, qu'est-ce que M. Kabila vient faire dans cette affaire? Quelle est son implication? On ne nous a pas dit que la commission électorale nationale est indépendante, que c'est elle qui devait organiser les élections sur tout le plan. Quelle est l'implication de M. Kabila? Donc, on comprend bien que c'est M. Kabila qui dirige la CENI. Donc, nous trouvons cette situation assez loufoque. Nous trouvons que ce comportement de M. Nanga, c'est un comportement qui viole les lois de la République, qui viole la loi électorale, qui viole les calendriers électoraux. C'est un manque de respect total au candidat président de la République. Si cette élection est effectivement remportée, si c'est annoncé cet après-midi par exemple, quelle est votre réaction? Mais la réaction est déjà faite. Je vous ai dit que nous avons lancé un communiqué. Oui, mais concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, vous allez voir ce que nous avons fait. Nous vous le dirons. On organisera certainement une conférence de presse pour vous le dire. Mais nous avons déjà lancé un premier communiqué avant, et signé par mon directeur de campagne, Pierre Lumbi. Dans ce communiqué, il y avait trois choses. Je ne sais pas si vous l'avez ou tout le monde l'avait compris, comme je vais le dire maintenant. La première chose, c'était que nous ne boycottons pas les élections et nous insistons, et c'est l'engagement-là. Depuis le début, on a dit qu'on ne boycottait pas les élections parce que le gouvernement Kabila faisait croire à tout le monde que l'opposition, en tout cas de Lamuka, l'opposition n'était pas prête pour les élections. C'est comme ça qu'on trouvait des excuses pour ne pas aller aux élections. Pas de boycott. Deuxième message de ces communiqués, c'est qu'on n'acceptera pas un quelconque report. C'est inscrit noir sur blanc. Et c'est le plus grand message. Le premier et le troisième, c'était pour donner, dire aux gens, voilà, allons aux élections. Troisième message. Le troisième, c'était, puisque vous voulez prendre le prétexte et que vous n'avez pas imprimé le bulletin des votes et que matériellement, il n'y a plus de temps pour les imprimer. Et vous avez dit aussi, vous-même, que la machine à voter ou les machines à voter peuvent imprimer le bulletin de vote. Alors, donnez, imprimez le bulletin avec ces machines, donnez aux candidats, aux électeurs, pardon, et les électeurs vont jeter dans les urnes. Et seulement, nous allons compter les, comment dire,
nous allons faire les comptages de ces bulletins. Nous allons compter les voix qui proviendront de ces bulletins et les résultats devraient être annoncés sur base des PV et des bureaux de vote. Et c'est pour cela que cette pression a fait que M. Nanga est parti Banu Militari en Afrique du Sud pour commander les PV. Donc il n'avait même pas l'intention de commander les PV. Pourquoi? Parce qu'il voulait utiliser un vote électronique, des résultats transmis par voie électronique, et il a dit lui-même, il a répété trois fois que le 25 décembre 2018, les Congolais vont fêter la fête de la nativité en ayant, le nom de leur président de la République. Donc, résultat transmis par voie électronique, et ils sauront le nom qui sera président de la République. Et maintenant qu'il a commandé les PV, et que les PV arrivent, donc nous voulons qu'il organise ces élections. Vous redoutez une fraude électorale? Bien sûr, la fraude est organisée depuis. Vous savez, la fraude électorale, c'est comment? La fraude électorale commence par les découpages électoraux. Ça, ils l'ont fait, et c'est passé. Deuxième élément de fraude, c'est les fichiers électoraux. Vous savez que dans ces fichiers, il y a 10 millions d'effectifs. Ça, c'est une fraude. C'est-à-dire, nous basons seulement, nous allons aux élections avec 30 millions d'électeurs, et ils ont dans leur gibecière 10 millions qui peuvent mettre à tout moment dans les urnes effectifs et annoncer les résultats. C'est pour cela. Ce n'est pas fini. Nous avons demandé à M. Nanga d'organiser cette ultime réunion de concertation avec les candidats présidents pour donner nos solutions. Par exemple, pour ces électeurs fictifs, qu'allons-nous faire? Parce que les électeurs fictifs, le jour même des élections, on peut trouver un mécanisme pour savoir si c'est lui qui est sur le registre des sans-empreinte, si c'est la personne qui se présente réellement, on peut faire un PV sur place et les reconnaître et approuver, attester que la personne existe réellement. Parce que vous le savez, que dans certaines provinces, ils ont enregistré des morts, ils ont enregistré des enfants, et c'est pour cela qu'ils n'ont jamais implémenté cette recommandation de l'OIF disant qu'il faut faire la lumière sur les 6 600 000 sans empreintes, sur les 2 400 000 qui n'ont pas toutes les empreintes, sur les 500 000 cartes d'électeurs qui ont disparu, et sur les mineurs et, ainsi que les militaires qui se retrouvent dans le fichier électoral. Dans cette optique, est-ce qu'il ne vaut pas mieux une ou deux semaines de report plutôt que des bureaux de vote qui ne sont tout simplement pas équipés, qui n'ont pas de bulletin de vote, pas de fichier électoral? Une, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, un mois de report. L'OIF a rendu les conclusions de son audit le 25 mai 2018. Voyez-vous, depuis le 25 mai 2018, ils n'ont pas pu implémenter les recommandations. Et vous pensez que dans 2-3 semaines, ils vont le faire? Le Westminster Foundation for Democracy est venu ici au mois de septembre, a fait des recommandations, les 15 recommandations. Et ces recommandations pour la machine à voter n'ont pas été implémentés. Et vous pensez que dans 2, 3, 4 semaines, ils seront à mesure d'implémenter? Non. M. Nanga a cherché des stratagèmes, comme M. Kabila d'ailleurs, pour que les kabilistes demeurent au pouvoir. Et là, ils ont vu qu'on a déjoué leur piège, qu'on a déjoué leur stratégie. Ils ne savent pas sur quel sein c'est voué. Donc aujourd'hui, demandons à tous les Congolais d'être vigilants. Et les Congolais sont vigilants, ils ont compris. C'est pour cela que vous voyez le plébiscite Fayoum. Partout où vous allez, le petit enfant, 4 ans, Fayoum, j'étais dans les villages. Où je ne comprends pas comment les jeunes gens scandent le nom de Fayoum à tout bout de champ. À quel ennemi? Je vais vous donner l'exemple. On nous a barré la voie principale. La voie principale où tout le monde nous attendait. Nous avons pris des voies détournées. Mais quel était notre étonnement de voir que dans ces voies détournées, dès qu'ils attendaient pile, et tout le monde venait, même les petits enfants, on ne pouvait pas les souffler à ce moment-là, les noms de Fayoum, mais qui criaient Fayoum ou Fayoum. Donc ils ont compris ces plébiscites,
Donc, c'est comme ça qu'ils sont en train de trouver d'autres moyens, d'autres excuses pour trouver les retards et s'ajuster dans leur tricherie. Je peux vous le dire, s'il n'y avait pas ces plébiscites, il y aurait élection sans hésitation le 23 et Nanga serait passé ici avec toute arrogance pour dire que je vous ai promis d'organiser les élections et je les organise et ceux qui ne s'étaient pas préparés, qu'ils aillent bien. Je repose quand même ma question par rapport à votre réaction, parce que bon, ce report semble quand même très 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 probable. Dans ce cas-là, boycott, vous appelez à la manifestation, ou vous attendez et vous allez à l'élection Mais ma réponse est tout aussi convaincue de moi-même. Je vous le dis, ma réponse. Monsieur Nanga reporte les élections en vertu de quoi? Monsieur Nanga reporte les élections en consultant qui? Monsieur Nanga est seul maître à bord, ou il est seul maître à bord avec Monsieur Kabila et le FCC, et que les autres ne comptent pas? Monsieur Nanga consulte la communauté internationale en vertu de quoi aujourd'hui? Nous avons dit que la communauté internationale devait être là parce que nous avons besoin de cette communauté internationale. Nous connaissons nos faiblesses. On n'a pas assez de moyens financiers et logistiques pour organiser ces élections. Et la communauté internationale nous a offert ces bons services. Et nous n'avons pas voulu. Quand je dis nous, Nanga et Kabila n'ont pas voulu. Ils ont dit que le Congo organisait seul ces élections. Et maintenant, il y a un cadre de concertation. Je vous l'ai dit la même chose. Ces cadres de concertation servent à quoi? Pourquoi ne consultent-ils pas les premiers concernés, c'est-à-dire les candidats, qui ont derrière eux la population congolaise? Donc nous nous disons que si on vous a confié une tâche et que vous n'êtes pas capable de remplir cette tâche avec compétence, qu'est-ce que vous faites? Vous démissionnez, vous partez. Donc nous disons que si M. Nanga et la CENI n'arrivent pas à organiser les élections le dimanche 23 décembre 2018, ils sont obligés de plier bagages et de partir. Merci beaucoup, monsieur. C'est votre plaisir.